Okay, salut Julien, comment ça va? Hey! On va essayer de faire un épisode rapide parce que t'as le goût d'aller aux toilettes déjà en commençant. Je trouve que c'est une belle intro. Ben oui. Fait qu'on parle du parc. As-tu remarqué comment j'ai accéléré mon débit de façon à faire en sorte que l'épisode est beaucoup plus rapide en ayant le même <laughs> le contenu? <laughs> fait qu'on parle du parc. Je sais pas si on va être capable de tenir. Euh, je sais pas, on dirait quasiment que je suis François Pirus. Hey, on fait un test, mettez tout ça sur x10 euh, fois, fois euh, genre, puis euh, on, on va juste parler vite. x1.2, ouais, c'est ça? ça, ça. Peu, ouais. On va à nos voix d'écureuil de, de Chipmunks. De Chipmunks. Fait que. Pâtit euh, euh, des portes bébés? Portes bébé ou le parc? Bon, oh, on peut parler du parc tout ça au parc. On joue au parc. Bon, ben ça, on a parlé du parc. Ok, porte bébé. Porte bébé. Quel modèle On part où À partir de quel modèle Ah, ça. modèle, je ne connais pas ça, une modèle. Tu sais, ta blonde, là, elle a-tu comme une maîtrise en porte bébé En porte bébé. Mélange pas, les sujets, c'est ce sujet. Elle a-tu une maîtrise en porte bébé Moi, c'est fou. Elle a une maîtrise en porte bébé. Elle connaît toutes les portes bébés Je pense qu'on a tous les modèles chez nous. On les essaye, on les loue, on les revend. On dirait du trafic même de porte bébé. Un policier rentrait chez nous, il dirait fuck faut que j'ouvre une enquête. Je pense qu'on a en ce moment pour genre 400 de porte-bébé dans la maison. <laughs> pour vrai, là, on doit avoir ça. Deux. Non, moi, pas game de me nommer toutes les sortes de porte-bébé. Il y, y a une différence entre les sortes et les marques. Mettons, ouais, on va y aller avec les sortes. Les okay. sortes, c'est plus général. Ouais. Il y en a moins là, que okay. les mettons marques. Mettons les sortes que je et connais. Je, attention, le disclaimer. Ceci n'est hey, pas... Vas-y en ordre... attends avant En ah, ordre mis... d'âge. D'âge, c'est ne pire. pas. Ah, J'aurais dit en ordre de... Qu'est-ce qui est le mieux ah non je peux pas parce que ça dépend du moment ah, dans ça la vie. dépend de mes affaires ça dépend de mes affaires puis je vois les décrets fait que et... ceci n'est pas une étude exhaustive et euh, comporte zéro minute de préparation donc euh, le volet informatif ne sera pas parfait c'est sûr euh, premier, euh, premier porte-bébé le sling est-ce que sais c'est quoi le sling le ring sling le, le sling c'est pas… moi ça me fait penser à un jouet sexuel ouais c'est pas l'objet sexuel que tu vis au plafond chez vous puis que tu fous ta blonde qui est pris <laughs> après des straps euh, <laughs> le... j'ai <laughs> vu ça aux infos pubs quelle info pub d'écoute Julien <laughs> le sling en fait c'est quelque chose de rapide que tu fais juste mettre sur un épaule en bandoulière ouais c'est comme en bandoulière ouais pour les bébés assez petits tu peux le rentrer dedans puis tu peux te promener tu sais, ça c'est plus le modèle genre je vais à l'épicerie rapidement j'ai trois affaires je le prends vite vite puis je pars ouais, tu, à... tu fais pas une marche de 12 km avec un sling. non c'est ça c'est un on a toujours le de dire que c'est un peu plus féminin. Moi, je me sens moins à l'aise avec un sling. Je ne suis pas à l'aise avec un sling, non. effectivement. Puis souvent, ils ont des couleurs un petit peu euh, funky. chia, Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, ouais c'est pas. Euh, non. Il y a, il y a, fait qu'il y, y a le sling. Après ça, il y a euh, le, 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 vraiment l'écharpe. L'écharpe, l'espèce le, ouais. de long foulard, ouais. man. Ça, ça c'est impressionnant. c'est de l'origami ouais, pour la le vraiment tout le tour de, de ben, c'est ça il y, a, il y a des passes. qui a un de mettre ça si tu te mets des bas blancs dans tes gogoons, tu as l'air d'une japonaise ouais. oui ou, ou d'un vieux monsieur pédophile <laughs> euh, dépendamment, dépendamment de ce que hey, tu je suis sûr qu'il va y avoir plein de ventes d'écharpes <laughs> après notre podcast mais écharpe c'est comme le modèle où là tu, tu te la pètes je veux dire quand tu arrives au cercle des fermières ou à la ligue de la laitier avec les écharpes <laughs> tu je veux dire là, T'as un statut privilégié. C'est ouais, comme skilled. Quand ouais. t'as ça, c'est vraiment hot. Mais là-dedans, déjà, il y a deux sous-modèles. Il y a les modèles avec un peu de spandex qui s'étirent, puis les modèles pas de spandex qui s'étirent. Genre le maman kangourou, il s'étire un oh, peu. Il y, ouais. y en a qui sont plus en fibre de lingue ou des trucs comme ça, qui ne stretchent pas. C'est mieux parce que c'est ça. C'est ça, ça, ça c'est ça... plus pour le. C'est comme s'il était dans un hamac. Puis ça, ça se met pour les papas. Euh, moi, honnêtement, j'ai. Je suis capable de le faire tout seul. Je peux t'affaire ta passe d'origami, mais avec un bébé. Arrête de poffer le micro, je <laughs> Avec un bébé en début de, <laughs> en début de... de vie, euh, j'aime mieux avoir quelqu'un qui m'aide à spinner l'écharpe autour de moi. Ouais, ça prend, mettons, il y a des vidéos sur YouTube. Là. En tout cas, on pourrait en faire un. Mais, ça serait ouais, ouais, ben, mais pour... <laughs> pour vrai, je suis capable de le faire. C'est juste, il y a quelques moments où j'ai besoin d'un appui, genre, tiens le bébé ou ouais. passe-moi l'écharpe par-dessus ouais, l'épaule. C'est quand même ça. assez compliqué. En même temps, il est cool pour naissant. Ouais. Vraiment, parce que. Euh, il reproduit un peu le, le comme s'il était dans BDN, mais à l'extérieur. Voilà. Tu sais. Il y a aussi le modèle que c'est juste un T-shirt. Il tient bien la tête aussi. puis tout. Oui, ben en fait, parce que tu peux l'ajuster, il remonte ouais. haut dans le dos. Puis euh, on va introduire tout de suite un concept c'est très ergonomique, c'est-à-dire que tu peux faire en sorte que les genoux du bébé sont plus hauts que les fesses. Mm -hmm. Bref, il est assis sur ses fesses. Puis ça, c'est particulièrement bon pour les garçons parce qu'il ne faut pas qu'il soit soutenu par la fourche. En fait, ça, c'est bon pour toutes les portes -bébés, tu sais Si tu magasin un, puis il est tenu par les couilles, ben mal. Tout ça. Mettons, <laughs> tienne par les couilles, tu sais l'expression genre ouais. tient par les ouais. couilles, c'est jamais positif. C'est une expression okay. consacrée aujourd'hui, ben c'est ça. Et c'est peut-être pas l'idée du siècle de. C'est voilà, ça. Et voilà. que il y a le, ah. le volet. Euh... Écharpe. Il y a l'autre volet qui, tu c'est plus la mode maintenant des t-shirts qui est comme un porte bébé intégré dedans pour les vraiment bébés naissants. Ok, j'ai moins vu ça. Ben, ça existe, à moi confiance, euh, mais ça s'étire, c'est un peu de la merde. En fait, c'est comme, c'est comme fait pour, oh, j'ai peur de mettre ça puis d'attacher mes patentes puis de, parce que c'est un peu impressionnant. Vous les portes-bébés euh... un peu funky. Ouais, où ou je vais me faire juger parce que j'ai un porte bébé et je le porte en avant, on dirait ouais. que je veux reproduire la merde. C'est drôle, j'ai vu ce commentaire là. Ah ouais. ouais. C'est ben, comme, comme si, parce que je, je, je portais un porte-bébé en avant, j'étais fif. C'est ah bizarre, ouais. hein, l'association. te rappelles-tu de l'annonce de Masda 5 d'il y a 10-15 ans? C'était un gars. Un peu cute que tu voyais de dos avec son, 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 son manteau de cuir et ses cheveux dans le vent, puis il marchait dans une école, tu sais, genre secondaire 5, là, avec toutes les, les, les petites filles qui se retournaient sur son passage et qui le trouvaient bien cute. Puis là, ben, tu étais comme, yeah, le gars il se promène dans l'école, puis il pogne. Mais en fait, c'est que il y avait un porte-bébé en avant, puis le monde regardait le bébé, oh, tu voyais ouais, juste à la okay. fin. Je sais pas si tu te rappelles de non, ça. Non, je me souviens pas. Mais il y avait une annonce de okay, ça, ben... ça. Ça sous-entendait que c'était bien cool les portes-bébés, puis depuis ce jour, moi, je j'accepte de prendre le porte-bébé. Oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. Fait que, c'est ça, il y a le modèle T-shirt. Il y a l'autre modèle à, à, après ça qui est plus le, le modèle ergonomique. Comme sac à cadeau un peu. Bien, ou tu ergonomique, là. En, 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 les Ergo Baby sont, je ouais, pense c'est comme ça qu'on les appelle. Ergo Baby, Tula, etc. Ouais. Il y en a plusieurs marques, mais tu sais, euh, en fait, c'est C'est pas plus vieux un peu, il me semble. ben il y en a pour très petit quand même, ouais. mais euh, ouais c'est un petit peu plus vieux. le bébé naissant, il, naissant, il hein. fait pas tant là dedans, euh, puis en fait c'est qu'il y a de l'aide, t'as pas as pas attaché tant que ça, c'est des clips des straps ouais. que tu peux tighter puis des trucs comme ça, c'est assez facile, puis là ça pour vrai n'importe quel papa après trois minutes d'explication va faire. Oh, puis il tient bien là, il n'est ouais. pas par les couilles là, non plus. Ouais. Ben c'est ça c'est celui qu'on utilise le plus. Ouais. nous c'est la valeur sûre. Euh, tu peux euh, le mettre dans le dos aussi. Ouais, quand il est rendu plus grand ou ouais. des fois juste le fun. Puis c'est comme dans le dos, c'est le fun. Tu as comme un bébé koala qui te prend puis qui te sert. Puis souvent, ils s'endorment là-dedans. Puis, Ils sont comme collés sur tout. C'est quand même cool. Il y a le modèle métaille. En as-tu des métailles? Oui, j'en ai un. Moi, j'ai moins aimé ça. C'est pas tant. C'est pas trop large. Les jambes, on dirait qu'il fait le grand écart là-dedans. Pour moi, c'est comme l'hybride entre la baby. Puis l'ergo baby. Le modèle un petit peu plus sac à dos, padé, etc. Puis c'est pas. C'est correct, mais je veux pas t'en Mais ça, ça marche en plus plus bas âge. Okay. Toi, nous, ça marchait, bébé petit quand même. Mais effectivement, il te fait la split big time. Là, Moi, puis. ce que, ce que, ce ce que, que, que j'ai aimé asiatique. du, du méta, par exemple, c'est qu'il y avait plus de choix de, de modèles de gars. Ouais. Si vous voulez qu'on les porte, les bébés, man, arrêtez de me mettre des fleurs, puis des ouais. des Des, des, grosses des paillettes lilas, paillettes, puis euh, ouais. Ouais, C'est ça, là, tu sais, fait, nous des, des modèles genre juste noirs avec des lignes blanches, sais, je ne sais pas, quelque chose d'un petit peu plus... Euh, ça va nous donner le goût, là, parce que... Mais, Un peu unisex, là. Ouais, mais c'était le plus beau porte-bébé que j'ai eu. c'est vrai. C'est Celui que j'ai le moins importé. Puis, tu c'est plus simple. Il y a pas, c'est que des, un, un tissu découpé euh, d'une forme spéciale. Fait que, ouais. pour, ça, faire des imprimés dessus ou n'importe quoi. C'est pas trop, pas trop un problème. Après, les modèles ergonomiques, il y a des modèles semi-ergonomiques, c'est-à-dire, c'est pas le, le gros modèle avec le rack en métal pour faire de l'expédition, mais il T'sais, celui qui a de l'air facile, celui qui a de l'air d'avoir des snaps que tu peux mettre le bébé par en avant, sur ta bédaine, mais par en avant. By the way, c'est mal, ça, parce que souvent, il est pris par les gosses, là, quand tu fais ça, là. le bébé qui est debout. Ah, ouais, si ouais, peux, ouais, hein. ouais. Mais eux, ils ont de l'air super facile puis écœurants, puis ils ont comme 18 positions. Mais non, puis... il n'est pas, euh, pas recommandé, je non, pense. Non, ce n'est pas écœurant particulièrement pour les bébés garçons. C'est pas... Ouais, la fourche. Oui, ouais, ben... En fait, c'est ça. ça met Tout le poids du bébé réside, réside sur sa fourche. puis C'est pas écœur. Hein? Mm. Euh, c'est ça. Puis il y a l'autre bout que ça, je n'ai jamais eu là-dessus. Vraiment, le sur renforcé en métal pour aller faire. Euh, je m'en ouais, du, du hiking. Là, ouais. Là, ouais. Ouais, nous autres, on a eu ça à un moment donné en ouais. cadeau. Pis là, C'est ça. Ben, on on l'a comme vendu parce par... que ça, fit, ne, ouais. ça va pas bien. Ben, par défaut, on dirait que le monde qui en peur des portes-bébés, c'est ça que je veux. Pis ça a l'air de la Cadillac. Mais même pour faire du hiking, là, le, le, le Tula ou l'Ergo Baby, mais L'Ergo Baby, marche, 100 fois time, ouais, 100 fois mieux. Tu, sais, tu peux le mettre haut quand même, là, ton Ergo hein? Baby, pour que ton hein? enfant, il voit les montagnes et les perderies ouais. et les faucons et tout le, ouais. et le patin. Puis en même honnêtement, moi, ce que j'ai pas aimé de ce sac-là, c'est premièrement l'armature de la mort. Oui. Tu prends un je... du poids pour faire de l'armature. Non, non, c'est ça. Puis c'est déjà l'eau, Puis en plus, c'est qu'il est moins collé sur toi fait que, mais tu sais, traîne ta caisse de bière, mettons, à bout portant, ouais. puis traîne-la, collée sur ton chest, tu sais, tu vas être beaucoup plus fort euh, si elle est collée. Fait que ouais. moi, j'ai vraiment, euh, vraiment pas. Mais euh, pas ouais, ben, ça le un peu, ouais, ouais, c'est pas cool. Ouais. En tout cas, il y en a peut-être qui aiment ça. Je sais que ça, ça fait plus gars, là, ça fait plus genre, je m'en vais faire du trekking avec mon ouais. kid, mais honnêtement. Ouais mais pour vrai je, je, des fois j'ai juste l'impression que c'est une question de, de tissu puis d'imprimé puis de look là. Tu sais, sur l'autre à côté si tu mettais des têtes de mort ou est-ce qu'il y a un signe Harley Davidson ouais tu ça ça, ça marcherait, <laughs> mais non qui s'y mettre des tulipes Ouais, tu ah, non, non c'est ça euh, fait que c'est ça c'est en tout cas à ma connaissance c'est comme un peu le dernier modèle là, qui est un Moi, peu beauty en fait là, mais... les ouais puis ben c'est ça nommé, là les deux qu'on nous on a pas choisi c'est celui qui se clippe en avant hum. euh, par les couilles puis le ouais. euh, bébé, parlait, bébé ouais. face vers, vers pis, euh, le, 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 le sac sport avec armature en stainless steel. puis on, ben, on, on dirait que par défaut, le, le, le cool, c'est le sac sport en stainless steel, machin. Là, mm -hmm. Mais, mais c'est comme l'image que tu as quand tu penses pour le bébé, c'est ouais. comme lui qui t'apparaît dans la face. Pis... Non. Non, c'est un peu de la merde. Non, non. Ça, ça, en tout cas, ça marche, ouais. ça marche pas. Fait que, ouais. Puis euh, peut-être qu'on peut y aller euh, avec. Euh, les, les, les habitudes de vie, même. Je La sais habitude pas. habitudes de euh... vie. Mais jusqu'à quel tu t'es porte, même? Ben, je sais que toi, t'es plus intense, là. Euh, numéro 1, elle en a fait longtemps. Ouais. Euh, ben, tant qu'ils aiment ça. Ben, mais tu sais, il pis... y, a, y, a, y en a qui n'ont pas accroché à un moment donné, Ils veulent ah ouais? débarquer, ils veulent marcher, ouais. ils veulent suivre leur frère, tout ça. Mais euh, en fait, je pourrais pas te dire le chiffre, mais, euh, mais le plus souvent possible, là, euh, bébé jusqu'à, mettons, écoute, hey, je sais pas, moi, 18 mois. Ah, ouais, ben, tu vois, moi. Euh, ben, je non. pense qu'à 4 ans, man, elle est encore dedans. Ouais, ben, on s'en va à Rome, là, bientôt. Ouais. Probablement que je vais sortir des photos où j'ai euh, numéro 2 qui. T'sais, elle doit peser 40 livres quand même. Mm -hmm. là. Elle est rendue à 4 ans, euh, presque 5, à avoir 5 ans en octobre. Euh, puis numéro 1 en avant, mettons. Je vais avoir un 18 mois, puis un 4 ans ce moi puis je vais marcher, puis c'est bien confortable. Il n'y a pas de problème. En fait, tu fais pour en mettre deux. Tu te mets deux portes bébé. Je me mets deux portes bébé. J'ai un pot de bébé. Ay, le ça même va modèle. être chaud sur la ceinture, ça, mon ouais, gars. Ça, c'est chaud un petit peu, effectivement. <laughs> Mais tu sais, en fait. Ton, là, ce que tu décrivais tantôt est bon tant es en arrière qu'en avant. Je veux dire, ça vraiment, il fusionne avec ton ouais. dos là, quand tu portes un. Le, toi, tu l'appelles Ergo Baby. C'est bien parfait. Il vraiment ergonomique. C'est ouais. comme s'il était vraiment fit. Mais sur ton. C'est la bédaine aussi, fait aussi. C'est comme si j'ajoutais 60 livres de stock sur moi, mais vraiment bien positionné à l'entour de moi. les mêmes jambes, mais t'as un chest plus lourd. T'sais. Ouais, j'ai un gros chest. Mais maintenant ouais. je cours pas. Non, c'est <laughs> <Avec> ça. Je <laughs> ne ça, pas non, non plus. Ou je saute, c'est comme. Je saute un pouce et je suis vraiment content. Ouais. Là. Moi, j'ai rien pratiqué avec l'Oratoire Saint-Joseph. On va monter des escaliers. Mais en fait, euh, on va à Rome, mais il y a aussi à Venise. À Venise, il n'y a pas. En fait, il y a beaucoup de petits ponts pour passer par-dessus les canaux. Puis dans les ponts, il y a des marches, puis il y a beaucoup de monde qui se promène. Fait que tu sais, avec une poussette, il veut une poussette, et tu quoi de plus crisse que ça? Mmh. Là, t'sais, tu te penches, là, c'est mal fait pour la tout soulever. Surtout quand t'es dans les escaliers, c'est pas ouais, cool. Ouais, c'est vraiment pas cool. Fait que je vais être en porte-bébé tout le temps. Parce moi, que moi avec, le la, avec la poussette, je fais toujours la joke de mon bébé. Tu connais -tu la joke de mon bébé? C'est vraiment drôle. Tu t'en vas dans un festival, quelque chose, puis là, quand tu vois qu'il y, y a bien du monde, puis qu'il y a une côte, tu laisses un peu aller la poussette, puis euh... tu cries Mon bébé. Oh, puis là, chien, tout là. le monde se retourne, puis il capote bien raide, puis dans le fond. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Ça, c'est très drôle. C'est ben. drôle. Ça, c'est drôle. <laughs> drôle. Puis là, ben, tu le laisses aller, puis là, ben, <laughs> il rentre dans un char en bas, puis là, tu trouves ça drôle. Non, non. C'est ça. Non, mais c'est pas rendu là. Euh, oui, c'est ça. Mais, mais nous, mais... on se rend jusqu'à l'ours, là, parce qu'on a le modèle ergonomique dans la version bébé genre jusqu'à ouais, 50 70 il arrête à temps de livres puis ouais. il, et après ça il y a un autre ouais. modèle ben puis Nous autres, tu vois on il tard, là, ouais. Ouais. Six ben, ans, là, ils ont plus le goût de dedans. tu m'as demandé jusqu'à quand ouais. puis je me rappelle que on avait le... On, on le portait encore mais il était rendu à la limite légèrement dépassé tu sais en ouais. termes de poids puis euh, ça sonnait un peu la fin tu sais on n'est ouais. jamais allé dans, dans ton modèle là, euh, plus, euh, pour plus paisant. Mais on en a fait beaucoup. Moi, je trouve ça cool. Pour les siestes, c'est malade. Oui. Il vraiment... y en a qui disent Ah, hey, il va s'endormir juste dans le pot bébé. Ben, oui. <laughs> c'est ça. You know what? C'est déjà une fois de plus où il s'endort puis que j'ai la crise de grossesse. <laughs> tu... Fait que toi, tu essayes <laughs> pendant une heure puis après ça, tu le mets ça à la sécheuse, tu t'en vas faire du char. <laughs> ben, c'est ça. Est -ce Moi, je le mets de dans le pot bébé. <laughs> Mais, en fait, on a fait un épisode sur euh, Papa seul, machin, euh, ce soir, là, pour ne pas dire garder. Je fais les doubles guillemets radiophoniques. Mais tu sais, quand tu un bébé en bas âge, tu sais, mettons, il y a 4-5 mois là, il est petit puis maman s'en va puis euh, c'est ça le porte bébé est vraiment parce moi il est vraiment mon sauveur là, tu sais, mm -hmm. une fois que ok tu as donné un peu de lait tu, 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 tu essaies de jouer avec mais il est un peu bébé puis Christ, il n'y a pas grand chose à faire avec ça tu sais, viens tu retiens le porte bébé puis il est comme un peu content puis là, tu as le sac à bedaine tu le têtes le plus possible oh, c'est parce que tu regagnes une liberté j'ai comme une vie Tu peux faire des choses Tu peux choses. Ouais. faire la vaisselle pendant qu'il est dedans puis ouais une ouais. fois sur dix il s'endort en trois minutes puis, Oh, tu pourrais même essayer de jongler avec des bananes. Tu pourrais. Un porte-bébé. Ouais, mais c'est moins conseillé de jongler avec une faux ou des chainsaws, tu sais, puis, euh, ou des, euh, des, 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 chainsaw, des torches torches feu ou, de ou des, des choses taf, comme ouais. ça. Là. Non mais tu il y a toujours des records. <laughs> Guinness, de, le gars qui jongle avec <laughs> le plus de chainsaws. Ah maman. Ma. Fais, fais, fais pas ça avec ton porte-bébé, c'est pas non c'est pas conseillé. Ben, en fait, on en appelle au jugement des parents. Ouais, avec le porte-bébé, c'est ça. Mais en fait, ok, on t'anecdote un peu drôle. <laughs> T'as-tu déjà mangé avec un porte-bébé? Oui, ça y tombe tout C'est très drôle, ça y tombe sa tête parce y a du spaghetti ou Un cornet, c'est vraiment cool. Un ça y dégouline, ça y dégouline, ça tombe Mais oui, nous, on l'a fait aussi. Ça m'est arrivé. Pas grave, j'accepte ça. Moi, des fois, ça a de l'air un peu féminin, mais je pense qu'en général, ça attire l'attention. Puis, c'est comme le papa qui non mais quand tu te promènes avec le papa. Mais c'est spécial dans le dos. Tout le monde va faire Ah, il cool. c'est un papa avec son bébé dans le dos, en avant, il y a quelque chose de mais faut qu il faut que soit je... petit, faut que soit vraiment tout ouais, petit plat puis je pense que tu sais, c'est c'est je sais pas à Montréal admettons, ouais. tu sais on en voit plein. Là. Ouais. Il y a, a peut-être certains milieux où est-ce que on, on en voit moins puis on fait comme ah c'est drôle, c'est bizarre. Ouais. Tu sais, en fait en fait c'est un, un bon point ça, j'ai l'impression que tu sais c'est un peu compliqué, c'est un peu le bout de la merde là. des fois se promener en poussette en transport en commun puis des trucs comme ça fait que le porte-bébé est vraiment omniprésent mais quand tu es un petit peu plus en banlieue ou en région, ben la voiture est prédominante, c'est pas un mm -hmm. problème fait que tu t'en vas en voiture, tu as ta poussette, tu la débarques, puis si tu t'en vas au centre commercial, ben, tu te rends au centre commercial en voiture, barres, as tu débarques ouais. ta poussette, tu mets le bébé dans la poussette, c'est le problème, c'est bien correct de même. Tandis que quand tu as du transport en commun, tu sais, oh fuck, il va falloir que je descende de la poussette dans les escaliers roulants, que je monte, que je sorte, que je tourne, que ah, de la merde, je mets le porte-bébé, c'est vraiment plus simple. Fait que, si ouais. tu, je pense que c'est vraiment une question de. De simplicité et d'efficacité. Mais, mais de c'est aussi, là, mais, puis au-delà de ça. Dépendamment, Mais au-delà de la simplicité et de l'efficacité, je suis d'accord avec toi, mais c'est que c'est le fun aussi. Ouais. Oh c'est ouais. le fun, ouais. tu sais. Moi, je suis sûr là, que dans nos fonctions là, de, 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 de papa, qu'est-ce porter notre enfant, c'est comme coder génétiquement. Ouais. Tu sais, quand je suis allé chercher un vélo, j'étais comme, ah, oh, je transporte mon enfant, <laughs> Puis je le protège, puis c'est moi qui pilote mon vélo. Tu sais, ça me faisait yes! ça. Ouais, ouais, oui, <laughs> c'est ça. Mais, mais c'est un peu le même feeling en porte-bébé dans un show, puis ça, puis à un moment donné, il somnole, puis il s'endort ouais. sur toi. Puis t'es comme, ouah, ah, je le protège dans mon porte-bébé. C'est vrai, vrai que c'est cool dans un show, tu sais, la Saint-Jean de Dran, Ouais, un, quand, là, quand ça rien. cogne, là, tfff, 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 lui, il est juste. Tu sais, je ouais. le, 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 sais pas, c'est l'Ergo Baby, de ça, mais c'est ce genre de modèle-là. Tu sais, il y a un petit capuchon, là. Ouais. Tu peux, remonter, là. Tu ah. remontes, tu snaps ça. Puis là, ben, ça fait que la tête arrête de se baloter, ouais. tout croche. Puis bon. Ouais. Ah. Fait que non, c'est cool. Puis tu sais, nous, on y met les, les gros. Mettons, on va dans un show, là, les gros cache-oreilles, les, 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 les coquilles. Les oui. coquilles. Puis là, là ben, c'est vraiment cool. Là. Il n'entend rien. Alors, il ne se fait pas trop mois par les décibels. Il est dans sa bulle, fait qu'il ne pas vite. Souviens tu sais, te souviens-tu, toi, quand tu étais kid, mettons, tu te collais sur le chest de ton père. Pis là, cool, tu entendais. Hein. <laughs> Ben c'est ça vraiment hey, C'est exactement ça il y a quelque chose de rassurant là-dedans en fait même aujourd'hui je te dirais hey man il y a un géant qui arrive ouais. de mettons, 20 pieds là, il te prend il te met sous sa bedaine puis il fait juste respirer Et il puis... sort sa grosse crème. <rire> <rire> moi je me sauverais j'aurais peur. <laughs> non mais tu sais il est bienveillant ouais, il te ouais. met sous sa bedaine puis il te flatte le dos tranquille puis là, il marche au ralenti <laughs> T'entends le, song, le song, oh, ouais. son que t'entends, tu sais, le son de son je le ferais, je m'endormirais là-dessus. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, ça serait ce soir le fun. C'est zéro. Ouais. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun. Pis... Moi, je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de géants. Ouais, ça prendrait des géants. Ouais. ouais mais je ne suis pas sûr qu'on peut faire grand-chose pour ça. Ben, en tout cas, on l'a dit. On l'a dit. Avec, ah, bah, a le droit, hein? On lance ça dans l'univers, <laughs> puis on lisse on notre roche de sel pour que ça, <laughs> ça arrive peut-être un jour, puis on envoie des ions. <laughs> mais ouais, mais, mais je trouve que ce serait le fun, puis. Je trouve ça dommage, des fois, les... c'est ça. Je pense que certains papas ont un peu peur du porte-bébé. Puis, tu sais, des fois, mm -hmm. c'est vu un peu plus maternel, justement, parce que soit c'est compliqué, soit c'est pas le modèle qui aime soit l'imprimé est un peu, euh, un peu féminin, puis c'est un peu plate. Mais, je crois que c'est le fun, man. Ouais, c'est le fun. Puis, tu sais, en même temps, on peut se ramener à la base, là. Je veux dire, mettons, là, que Nelson, il sort, puis il fait. Tu <laughs> ben, dis, va chier, man. OK, quoi <laughs> Tu sais, qu'est-ce qui te fait rire là-dedans je, je cherche encore. Puis excuse-moi de vouloir le mieux pour mon enfant, tu sais, parce que c'est. Ah, parce qu'une poussette, fin, après, plus si en... plus t'en fais, hein. après ça, tu le mets dans la poussette, puis c'est weird, hein, la proximité, tu fais comme voyons, c'est bien loin la ouais. poussette. Ouais. Moi, ça me fait ça. Même... j'adore ça. En même temps, la poussette, là, tu sais, c'est cool, mais... mais ça fait vraiment ça, ça fait Christ, il est bien loin ouais. de moi. Il y a coup... des poussettes que tu peux comme flipper Est-ce que l'enfant est de face ou de dos, ou des trucs comme ça, mais juste de pas le voir, tu sais je veux dire, la, la poussette, là, même si c'est une petite poussette parapluie, si l'enfant face vers l'avant, tu, tu le vois plus là. Tu sais, Je veux dire, il y a le, le pare-soleil puis si puis ça, ça des trucs comme ça. Puis il est où, man Je veux dire, il aurait, ça serait une poupée assise dans la poussette, ce serait pareil ouais, là. Ouais. Là, Même y parler, tu sais, des fois en bas âge, l'enfant il, il réagit avec des gestes ou il pointe des mm -hmm. trucs comme ça, tu le vois plus là. Tu vois pas ses yeux. Tu, 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 oh, ok, il, il est là puis je le pousse. Oh, great, pis mm -hmm. that's it. Fait que, bien que by the way, c'est très cool les poussettes là. Je pense qu'on en a tous et on suggère l'achat d'une poussette sans aucun problème. Ben veux-tu qu'on fasse les poussettes, il reste 9 minutes. <laughs> Je pense que c'est un épisode en soi. Si on... oh. Brûle pas du stock, man! <rire> <rire> non, non, mais. Fait moi je trouve qu'il ne faut pas bouder son plaisir face au, euh, au porte-bébé, Puis c'est quand même cool. C'est cool. C'est chaud un peu, par exemple, des fois. C'est comme tabarnak. Ouais. Tu l'enlèves. Le cul est sucré comme... à 32 degrés. Qu'est-ce que tu sais, toi l'été, mettons, t'en fais autant, mettons? En fait, souvent, j'en fais plus oh, l'été. Ah si oui, c'est tough. C'est ouais. tough. Des fois, ça, 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 ça shrink. Mmh. Ça. En fait, il y a un bout, mettons qu'on qu parle de. de... Là, tu l'amènes sur l'été, mais mettons qu'on l'amène sur l'hiver. Au contraire, ça, moi, je n'ai jamais eu. Puis ma blonde a eu, tu sais, des rallonges de manteau. Ouais. Pour, essayer, ils peuvent avoir le porte-bébé en dessous de leur manteau, ouais, puis mettre ouais. le manteau, puis c'est juste une petite rallonge pour pouvoir essentiellement agrandir la largeur entre les deux fermetures éclair, pour pouvoir le fermer par dessus. Mais ça, ça doit être cool en salle. Ouais. Je me rappelle pas de ça. Si on avait ouais. ça. Moi je moi je, bah, mais, quand même, déjà eu Moi je l'ai jamais eu mais je crois Imagine comment lui est bien. Mais ça il est ben, maison, il était au chaud, il est collé il a pas de problème. Puis dans le même genre, tu sais imagine si tu avais un port... là, c'est sûr qu'il y a une part de risque il ne faut pas niaiser avec ça mais tu sais mettons tu fais du ski, si tu avais vraiment un porte-bébé <laughs> mais ergonomique cool que l'enfant il dépasse sais. Là dire, tu y GoPro. <laughs> non mais tu sais tu tombes plus en ski tu tu ferais peut-être pas exprès d'aller faire de la bosse puis du sentier puis des, des pistes un peu plus hardcore, tu te promènerais dans les pistes débutantes puis intermédiaires tranquilles mais tu sais tu fais sentir le le feeling, le feeling. ski, ça peut être cool. Non, mais dans le temps, c'était ça, là. Ben tu oui. Hercule, là. Hercule, On, on, ah, on les mettait sur nos épaules en partant à babiche, là. C'était ça, là. c'est séquettes en babiche, ça. <laughs> Ouais. Ouais. Fait que. Ouais, ben, hey, tu, -tu ça vu, ça devrait nous rapprocher de, 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 de ce ça, qui ouais. est fondamental, à mon ouais. avis. T'as-tu vu le modèle? C'est pas. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie porte 2 mais tu sais c'est un truc que tu peux porter sur tes épaules l'enfant tu l'attaches puis là ça le tient c'est vraiment strapé fait que tu as J'sais une espèce d'armature Comment ça marche? En fait tu as comme un petit siège que tu mets sur tes épaules qui s'attache en dessous de tes aisselles, fait que là le siège il tient. C'est comme un band de mais sous tes épaules. Ouais, c'est comme un band de sous tes épaules, puis là tu mets le bébé. Ben c'est pas fait pour un bébé, c'est plus fait pour un enfant de deux, deux ans mettons. Deux il ans va, va plus. En vendre tout plein plein saint jean quoi. Genre, puis là ben, en fait ce que ça fait c'est tu sais quand il est sous tes épaules, il faut tout le temps que tu le tiennes quand même un peu là. T'as quand ouais. même toujours un bras qui tient un pied ou quelque chose comme ça, mais là ça tient tout. Mais je comprends, c'est super cool pour que l'enfant en voit loin, mais c'est pas fait pour être porté longtemps. Tu sais, si j'ai le choix d'avoir 60 livres sur mes épaules qui m'écrasent la colonne vertébrale ou 60 livres qui fit en harmonie avec mon dos, moi, je prends 60 livres qui est bien dispatché comme poids. Tu sais. Fait que tu prendrais la patente? Non, je ne prendrais pas à patente. Je prendrais un porte-bébé normal. Ah, oh, je pense que j'ai poigné un fixe. Oui, prendrais... <laughs> <laughs> ouais, il y a 11 heures. Hein, est... <laughs> L'énergie est moins là, mais ouais. Fait que, que c'est ça. T as d'autres choses à dire sur le porte-bébé, toi? Ben non, à part que je le recommande. Ouais, je pense que c'est vraiment que je le recommande. Ah, c'est ça. Il n'y a pas peur, man. C'est fondamental. Ouais. On ouais. transporte nos enfants depuis la nuit des temps. Tu on a fait une, une affaire de liste de shower, là, il y a vraiment longtemps. Ouais. Mais moi, le porte-bébé, je pense que dans la liste de shower, ouais. ça devrait faire partie de ça. Ouais. Mettons qu'on fait une synthèse, ça te prend quelle, tu sais? Moi, um, je pense, Moi, que, ça je pense prend... que ça prend l'écharpe au début. Ouais, ça prend l'écharpe au début, puis un ergonomique. Un puis ergo, ouais. si tu veux aller plus loin, un ergonomique plus gros. Là, ouais. Ouais. Après, c'est les deux-là, tu t'en sors. Puis tu peux le flipper. Puis, peux... by the way, des bons, ça se revend super bien sur Kijiji ouais. ou sur euh, Facebook Marketplace. Là. Tu le mets. Caro a déjà acheté des, des écharpes. Mettons, elle a acheté une écharpe à la première, elle a acheté usagée. Ça vaut, mettons, 60 piastres neuf Elle a acheté 20 piastres. On l'a revendu deux ans plus tard, 30 ça piastres. Non, c'est on a fait 10 piastres. Ouais. Puis on s'est dit, oh, on va peut-être avoir des Ça garde enfants, sa mettant, valeur. Je m'en je ouais. le revends. Puis on a racheté un, à peu près le même modèle, mais une couleur différente, quand la deuxième est née, qu'on a revendu. Tu sais, je vous en ouais. fais... Puis il y en a qui ont des collections de portes de bébé, mais tu sais, s'il si y a des filles qui trivent ses chaussures, il y en a qui trippent ses bébé ouais, bébés. Ouais. Hey, C'est assez le, impressionnant. Le modèle ergonomique qu'on que, que, qu a acheté pour la, 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 ben, à ce moment-là, la première, là, qui était un ergonomique un peu comme l'Ergo Baby, mais à ce moment-là, c'était pas tant populaire ici. Carole le fait venir de Pologne, man. Ah ouais. C'est un peu débile la chatter avec une fille en Pologne Ouais, peux-tu me faire un léso au Canada? Puis, OK! C'est arrivé un peu funky, là, mais bon. Parce qu'ils se vendaient pas au Canada. C'est un, un peu. Elle tough. peut être la seule à avoir ça. Ou? Ouais, mais c'est niaise. Comme tout, je veux dire, dix minutes après, ça a commencé à être populaire. Puis il y en a eu au Toys R Us le plus près de chez vous, sans aucun problème, pour une fraction du prix, parce qu'il ben, y avait du volume. Nous, tu sais, on mm. a fait donner un au Canada. C'est un peu cool, là, mais pas tant, pas tant que ça. Puis, mais on dirait que c'est comme un retour des portes bébés. Tu sais, c'était. Zéro la mode. Tu sais, moi quand j'étais petit, personne n'aimait ça un porte-bébé. Non, 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 c'était des poussettes. C'est vraiment la, la, la poussette. Puis là, ben, que ce soit. Puis ce qui est symbolique pour les grands mères, c'est les poussettes. Ouais, quand pas les portes-bébé. Non. Puis pourtant, c'est cool. J'avoue que ma mère, euh, je le sais à ma grand-mère, mais ma mère ne demande pas tant à avoir le porte-bébé. Puis pourtant, quand elle le prend, ça arrive que qu'elle ait Ça marche bien, oui, il elle fait Ah, c'est vraiment collé, ouais, c'est ouais. le fun. Oui, ouais, c'est vrai. Mais, mais c'est pas ça qu'il demande on dit oh, je vais aller me promener en poussette puis là, ils font le tour du quartier avec la poussette, mais. Même affaire, pour de B. Pareil. Non, c'est ça. Ils n'ont pas le réflexe, mais c'est vrai que si tu leur snaps ça là, dans le dos, là, clac claque, puis ouais. euh, ça marche bien. Oui. Ouais. Ils tripent, puis ils sont, sont super heureux. On est un peu déconcentrés parce que c'est la finale de la Coupe Stanley. En ce moment, il reste 28 secondes. C'est 4-3. <laughs> puis c'est 4-3 pour Washington. Donc c'est malheureux, mais les Golden Knights ne gagneront pas la Coupe Stanley cette année. Euh, fait que C'était okay. quand même une équipe qui a été. Bâti genre... Elle n'existait pas l'an passé. C'est comme les restants de toutes les autres équipes. Tout ce que mm. le monde ne voulait pas sont allés là, puis ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Puis bon, visiblement, ils vont perdre, là, malheureusement. Puis c'est ça. C'est là, on c est, on est en train de commencer. C'est quand, cool. ouais, quand même cool. C'est ouais. quand même cool. On a fait le tour des portes bébés, je pense. Je ne sais pas si ça répond aux questions. d'autres questions? Si tu avez des questions, questions aussi, envoyez-nous nos questions, on parlera des questions. Ben écoute, ça c'est un beau résumé. Moi, ça, je vous ça... <laughs> Bonne semaine. Salut.